Le centre famille direction Paname. J'ai craqué. J'ai craqué mon slip. J'ai acheté énormément de choses. On va aller dans deux boutiques à Paris. Les meilleures de Paris. Vous allez péter un câble. Let's go! Et dans cette vidéo, je te fais gagner un blister Évolution Céleste. Pour ça, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes. C'est dingue! N'hésite pas à aller visiter la boutique, tu vas te régaler. En ce moment, je fais gagner un D23. Donc en vrai, ça régale. Tu as juste à prendre une display sur les précommandes chapitre 6 ou prendre une display chapitre 5. Tu payes un prix très bas, mais tu peux gagner un D23. C'est une dinguerie. Et il y a aussi du Pokémon. Il va y avoir un petit restock de vintage sur la boutique, étant donné que je pars en vlog. Donc tu peux dès à présent aller sur le centredangelo.fr. On arrive encore une fois à la boutique Cartabaf. Incroyable. Je vais chercher pas mal de choses que j'ai achetées. Tu vas voir, ça va être une grosse dinguerie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Petit like, petit commentaire. Abonne-toi pour des aventures incroyables du centre. Petit coffret drac au feu, ça, ça régale, incroyable. Oh, y a beaucoup de buée, hein. On arrive en hiver, hein. Le centre famille de retour dans la boutique Cartabaf. Hey, je me suis régalé sur Appel des Légendes. Faut savoir que les boosters aujourd'hui, c'est 250 euros, à peu près 300 euros en prix fort. Donc en vrai, tu vois, voilà, j'ai pas hésité. Beaucoup d'états Nirmin Plus et Nirmint. Donc je vous montre ça en fin de vidéo et je vous fais un petit tour encore de la boutique. Wesh Vivi. Wesh Angelo. T'as droppé le scar? Hein? Ah ouais, j'ai droppé le scar. Tu t'es fait zizir, t'as droppé le scar sur le chapitre 5. Il va falloir que je retente ma chance. Ah ouais? Vas-y. Et chapitre 6? Ouais, j'ai... T'as hâte? Ouais. Elle est belle ta boutique, hein. Merci. Je suis jaloux. Faut pas. Gros GG. Le centre family, je viens de partir de Cartabaf. C'est une dinguerie les gars. J'ai envoyé, mais un truc de malade, vous allez péter un câble. Et là, les gars, direction Fuji Store. On va à Fuji Store. On fait les deux meilleures boutiques de Paris avec le dino, cette tête de pioche. C'est un cri. Les gars, de retour après tout ce temps chez Fuji Store. Je sais pas si tu te souviens, je te mets la miniature juste ici. J'avais acheté une display Eclipse Cosmic et une display Diode Shock. C'était incroyable. Le centre family, on vient d'arriver chez Fuji Store. Alors ça va? Ouais. Hey, t'as du set de base. Et ouais, t'as vu comment il est beau? Tu me le vends ou pas? Est-ce que tu me le vends? Le truc, c'est qu'il est déjà réservé, tu vois. Ah là là, 600 euros. C'est du non trié, non pesé? C'est du non trié, mais c'est pesé. Il a réussi à être pesé, malheureusement. Mais non, c'est vrai. Il est lourd? C'est un léger. Ah d'accord, ok, ouais. C'est propre. Ouais. Je t'en remercie, mon ref. Take up.
notre famille, on rentre au studio, je vais vous montrer tous mes achats, vous allez péter votre tête. Sincèrement, je me suis envoyé en l'air, ça va être incroyable. Bobier, s'il vous plaît. Merci. De retour, les amis de Cartabaf. Incroyable, je vous avoue que je me suis fait plaisir. Je vais pas te mentir, je me suis régalé à la mort. Je vais vous montrer tout, la totalité. Donc il y a du booster, de la carte. C'est incroyable, on passe tout de suite sur l'autre caméra. Alors, on va commencer avec la petite carte gradée. Donc ça va être des cases, hein. Je vous avoue, le central, j'ai pas fou. Une carte de Éclipse Cosmique que je n'avais pas. Voilà, pas de commentaire de plus, hein. Elle est vraiment belle, du PSA 9. J'ai payé ça vraiment une misère en sachant qu'il faut la drop, qu'elle soit dans le booster. Donc voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Si j'ai 9,5 sur cette carte, je serais très content. Ensuite, alors, en booster, donc tous les boosters ici seront à la vente. Il y en a déjà qui sont vendus. Donc quand tu vas regarder cette vidéo, il y aura des boosters qui seront plus disponibles. J'ai fait une story Instagram, normalement, il y en a plein qui sont partis. Donc voilà, donc noir et blanc de base. Waouh. Bah tu vois, ce booster là, déjà il est vendu. Tu vois, donc c'est parce qu'il n'a pas été mis sous temper, parce que la personne ne voulait pas sous temper. Donc voilà, il est vendu. Incroyable. En même temps, vu l'illustration, voilà, j'ai envie de te dire, la question est vite répondue, quoi. Incroyable, Reshiram, je kiffe. Donc encore petit booster noir et blanc. Donc j'ai pas la recette, il manque le Zekrom. Voilà, donc. Très très dur à trouver le Zekrom, j'aimerais bien le trouver, je vais le trouver mais c'est compliqué. Ensuite, Explosion Plasma, on a deux boosters, voilà, deux petits boosters Explosion Plasma, série de ouf. Hein. Explosion Plasma, facile à trouver mais voilà, pour avoir eu des boosters à 20-33, 20-36, choses qui sont strictement incroyables, c'est l'une des seules séries que j'ai vendues en lourd à quelqu'un, Explosion Plasma. Quelqu'un qui collectionne le noir et blanc. Tempête Plasma, pareil, non trié, non pesé. Avec le magnifique Articodin, voilà, le Lugia. On monte tout de suite sur des prix de fou quand il s'agit de Lugia. Il suffit de regarder Appel des Légendes, les gars, c'est un truc de malade. Frontière franchie, alors état chirurgical. Hein, vraiment, sur ce coup-là, incroyable. Merci, Cartabaf, hein, y a rien à dire. Quand tu vois le booster, t'es marre. Oh là 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 là, état chirurgical pour la collecte, incroyable. Pareil, pas mis sous temper, la personne le veut dans les, tu sais, dans les protections Tyrannobox. D'ailleurs, j'en profite, avec le code TIRA5 ou TYRANNOBOX5, t'as 5% sur toute la boutique du centre d'Angelo. Donc, profites-en, tu vois. Et du coup, bah, il voulait mettre ça dans une protection Tyrannobox, donc pourquoi pas en vrai. Legendary, une série en anglais. Donc ça, c'est incroyable. J'ai vu les autres illustrations. Hein, c'est l'illustration la plus éclatée, on va pas se mentir. Hein, c'est une réalité. Hein. Quand tu vois le Reshiram, le Zekrom et le Mewtwo, c'est sans commentaire, en fait. Tu vois, c'est sans commentaire, tellement c'est une dinguerie. J'en avais déjà eu un. Hein, et le Didi, le Dino, il l'a ouvert. Il l'a ouvert sur un Livevox, ce gueudin. Ce gueudin de vie malade, ce mec. Big up à toi, mon ref. Et du coup, voilà, bon, petit légendaire. Oh là 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 là, ça, franchement, ça, je sais pas si je vais m'en séparer, en vrai, je vais pas te mentir. Je trouve ces boosters-là tellement magnifiques. Diamant et perle, duel au sommet, incroyable. Pareil, non trié, non pesé, booster, clinique. Voilà, il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire. C'est une série de ouf, c'est magnifique. Je pense que c'est l'une de mes séries préférées de Diamant et Perle. Je vais pas te mentir. HS Triomphe, incroyable. C'est pas la plus belle illustration. J'ai d'autres illustrations, il m'en manque une. Mais pareil, booster de malade. Série de ouf, hein. HS Triomphe, hein, ça me fait penser à mon Ronflex. Hein. Big up encore à toi. Hey, big up à tout le monde, qu'est-ce qu'il y a? Non, je rigole. Mais non, mais je kiffe. Je kiffe HS Triomphe, pareil. Bon, de toute façon, c'est pas pesable. Donc, je vais pas dire non trié, non pesé. C'est une série qui se pèse pas. Donc, voilà. Tu peux, entre guillemets, te dire, voilà, peut-être tu vas avoir une holo ou pas avec les poids. Mais en ce qui concerne les légendaires et les primes, c'est pas pesable. Donc, voilà. XY Génération, petit booster Florizarre. Voilà, petit booster Florizarre, XY Génération.
Je fais une ouverture génération il y a pas longtemps avec le Dino. Donc je t'invite à aller regarder la petite vidéo, t'as la miniature qui va apparaître juste ici. Je t'invite à aller voir la vidéo, franchement, son drop est incroyable et il m'a mis KO. Voilà. C'est une ouverture. Hein. C'est une ouverture. Pour mettre KO hors ouverture, c'est autre chose. Mais c'est une ouverture Pokémon, tu vois. Donc voilà, génération. Et après, le petit Arcette, voilà, pour terminer. Le petit Arcette rupture turbo. Voilà, donc Léviator, le Léviator secrète. Incroyable. Tu vois cette illustration là, Léviator rouge. Magnifique. Donc cet Arcette, il sera disponible à la vente aussi. Donc voilà, s'il n'est pas déjà vendu, hein. Tu connais, hein, il faut faire le montage, la miniature. Donc il y a du temps qui va passer avant que la vidéo sorte. Donc ça se trouve, ce sera vendu. Et ensuite, après, on va passer aux cartes. Alors là, je vous avoue que j'ai fait. Voilà. Quand tu vois le tas, tu comprends. Donc, Appel des légendes, Kelurior, holographique, magnifique. Voilà, bon, c'est pas. Ça coûte pas très très cher, mais c'est magnifique. Et puis je fais le full master set, Appel des légendes. D'ailleurs, il y a une vidéo de malade qui va arriver sur Appel des légendes. Donc sérieux, like, commente et abonne-toi. Fais-moi plaisir, donne-moi de la force. Tu vois, franchement, ça va être une vraie dinguerie. Le Magmar en reverse. Voilà, magnifique, petit Magmar. Le Pyroli avec la petite pierre feu. Franchement, ça c'est trop bien. C'est tellement incroyable, tu vois. Qui n'a jamais essayé de mettre des pierres aux Pokémon, tu vois, dans les jeux. Donc c'est une dinguerie. Le petit Evoli que j'ai déjà, mais je t'avoue, je l'ai pris. Je sais pas pourquoi, je kiffe, donc je l'ai pris. Je l'avais déjà, je l'ai pris. La fameuse double ball, tu connais? La fameuse double ball incroyable, hein? Et faut à pas confondre, attention. Hein. On parle de Pokéball, d'accord? Non, incroyable. Elle est magnifique. Même cette carte est magnifique. Dans ADL. Un petit dresseur, quoi, tu vois, trainer, nettoyeur perdu. Bon, bah voilà, tu vois, il les faut tous pour le full master set. Melo, qui est magnifique. Et qui est une rare. Qui est une rare. C'est ça qui est ouf. C'est une rare, la carte. Donc voilà. Incroyable. La petite Melo. What what? Je kiffe. Je kiffe. C'est vraiment une carte que j'affectionne de fou. Parce que je la trouve magnifique. Voilà. Un petit mouton. Voilà. Dans Star Étincelant, il faut ouvrir les moutons. Ok? Voilà. C'est là qu'il y a le Dracaufeu. D'accord? Le Smogo, pareil. Magnifique, bon, parmi les 151 Pokémon. Le boule de nœud, alors j'ai galéré à le trouver en promo, parce que c'est une promo de deck aussi. Et je l'ai trouvé en reverse, en état chirurgical. Donc tout est mint, hein, d'accord? Tout est mint. Enfin, near mint plus mint, voilà. Même le near mint moins, j'ai pas pris, tu vois. D'ailleurs, Victoria m'a très très bien conseillé. Un grand merci encore à Victoria et Flo. Mais voilà, tu vois. C'est vipère, magnifique. Le début gang aussi, voilà, il le faut. Oh là là là, le Démolos en holo reverse. Parce que t'as de l'holo reverse aussi, tu vas voir. Le Démolos, il est incroyable. Je surkiffe. Le Granbull ou Granbull, moi, comme tu veux. Incroyable. Ça, c'est une rare aussi, tu vois. Forteresse que j'ai déjà en holographique. Mais que j'ai pas en reverse. Je l'ai même en double, je crois. Je l'avais droppé au dîner avec le Léviator en reverse. Va voir la vidéo, franchement, tu vas kiffer. Dialga, pareil, incroyable. État de fou, hein. Les états sont incroyables. Tu vois. Franchement, il n'y a rien à dire. Le petit Dialga, holo reverse. Oh là 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 là, le Filali. Le Filali en holo reverse avec un cadrage qui est plutôt pas mal, vraiment. Donc voilà, Mint, hein. Near Mint, Near Mint plus. Le petit Stadium, ok, il le faut. Le Smogogo, incroyable, je kiffe. Je kiffe Smogogo. Magby, en reverse. Misdibule, j'accélère un petit peu, tu vois, sur les communes, peu communes. Monsieur Mime Junior, petit cadeau d'un frérot. Et du coup, je l'avais pas en mint parce qu'elle n'était pas mint la carte. Donc du coup, je l'ai prise. Comme ça, l'autre, je la mettrais dans les doubles, tu vois. Mais Monsieur Mime Junior, stylé. Pomme de pique, pomme de Reinette et pomme de pique. Un druide. pardon. Ouais, c'est pas le moment.
Le Goupix, magnifique Goupix, hein. Illustration de fou en vrai. Je kiffe cette illustration. Elle est magnifique. Énergie, j'ai galéré, tu sais même pas avoir cette énergie, je l'ai jamais droppée, c'est un truc de ouf. J'ai droppé l'autre, mais pas celle-là. J'ai galéré de fou à avoir cette énergie. Maganon, je l'ai en holo, mais je l'avais pas en reverse. C'est une holo reverse, une rare holo reverse, tu vois. Pachirisu, pareil, je l'ai en holo, mais je l'avais pas en reverse. Palkia, magnifique. Magnifique. Holo reverse aussi. Petit holo reverse, il y avait un point blanc. Non, ça va. Ensuite, Meganium, simple rare, mais je trouve l'illustration incroyable. Elle est magnifique l'illustration. Et donc pareil, on est sur du Near Mint plus Mint. Oh là là, le Ronflex. Ah là, mon ronron, tu vas être jaloux là. Tu vas être jaloux, mon ronron. Le Ronflex que j'ai eu en stamp, enfin en staff, tu vois. Et du coup, j'ai réussi à le choper en reverse aussi. État nickel. Chirurgical. Incroyable. L'état est ouf. Donc je suis vraiment très très content. Crocodile, le petit crocodile, voilà. Ensuite, Macronium, pareil, voilà. Galère à avoir à cette carte, hein. Vraiment galère. Que Lorior qu'on a vu en holographique et que du coup j'ai acheté en reverse aussi. Le Air-Mur, magnifique, le petit Air-Mur, carte de fou, hein. Pokémon sous-côté, je trouve. La petite AR qu'ils ont sortie là, je la trouve incroyable. Je crois que c'est sur EV7. EV7, ouais. Elle est vraiment magnifique. Ferrisson. Magnifique aussi, hein. Ferrisson. Donc j'ai réussi à dropper la Typhlosion, mais la Ferrisson, j'ai jamais réussi à la dropper. Ensuite, on a le Riolu. Voilà, petit Rioli. Mais Riolu, pas Rioli. Faut pas Riroli. Mélofée. Voilà, commune. Donc Mélo rare et Mélofée commune. Va comprendre. Et enfin, le petit Stilix Prime en mint. Elle est incroyable la carte. Elle est incroyable. J'espère que la vidéo t'a plu. Donc voilà, t'as vu, j'ai fait les deux boutiques, Cartabaf et Fujista. Je me suis régalé avec mon Dino. Franchement, on a kiffé. C'était incroyable. Je pense que peut-être que je vais le refaire et tout. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse tu sais, un espèce de vlog. On va à Paris et on va dans toutes les boutiques Pokémon un peu partout. Pas juste les connus, tu vois. Même ceux qui sont pas trop connus. Voilà, dis-moi dans les commentaires, ça serait super cool. Et franchement, bah, un grand merci à l'équipe de Cartabaf et un grand merci à l'équipe Fujistore. Donc voilà, Mister Fuji et Nels n'étaient pas là. Mais c'est pas grave, hein. Après je comprends qu'ils sont très très occupés, j'étais un peu dégoûté, j'aurais kiffé les voir. Mais c'est pas grave, l'équipe Fujistore s'est super bien occupée de nous. Donc on a passé un moment incroyable. Et si tu veux voir un cadeau mystère de Vanjie Case, t'as juste à cliquer juste ici. C'était Angelo pour un vlog à Paris, Cartabaf et Fujistore. À bientôt!